Bonjour YouTube, c'est GazGenKlight. Bien le bonjour. Et on se retrouve ce soir sur le nouveau mode de jeu de Heroes of the Storm, qui est le choc des héros, je crois. Et donc oui, qui du coup a commencé le 18 octobre et qui finit le 28 octobre. Donc il y a 2-3 récompenses à avoir si vous faites les trois parties. C'est pour ça que, alors moi je les ai déjà faites, mais du coup Gaz ne les a pas fait, donc on les fait aussi pour lui. Et pour vous montrer un petit peu ce petit mode de jeu. Donc le principe du mode, alors très simple et c'est vraiment très amusant. C'est, vous allez le voir là c'est en chargement. Du coup on choisit pas de personnage au début. On va avoir en fait trois personnages qui vont arriver. On devra choisir un parmi les trois. Voilà, et on peut voir aussi les autres alliés, ceux qui prennent ou leur choix. Du coup on peut faire une petite strat, mais on a que 30 secondes aussi pour choisir son personnage, donc ça va très très vite. Il y a des doublons, et par exemple aussi il faut savoir c'est que je vais peut-être mieux vous expliquer en fait quand il y aura la liste des personnages qui vont être affichés, vous comprendrez mieux. Mais en gros je vais pas dire que c'est des matchs mirror, mais les rôles sont mirror en fait. Donc en gros, si nous on a deux soutiens et trois assassins en tant que rôle, l'équipe ennemie aura exactement les mêmes rôles. Donc c'est assez équilibré là-dessus. What? What the fuck? Bon, alors je suis jamais tombé sur ce cas. Il y a que des Keltas. Alors là, what the fuck, je ne comprends rien. Là, ça m'a surpris. Donc voilà, là, du coup, il y a assassin. Donc, ça va être exactement la même chose. Bon, là, c'est gros, what the fuck. Alors, normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est des persos différents. Donc, voilà, donc là. J'imagine qu'en face, ils vont avoir des Keltas, du coup. Je sais pas. Si, ils ont que des Keltas. Ah, ils ont que des Keltas. Explosion pyrotechnique. Alors, voilà, du coup, en fait, on a pas de level et on peut direct. On fait explosion pyrotechnique ou phoenix. Ouais, on les loge. Et du coup, voilà, on peut choisir directement le ulti. Et surtout, on n'a pas de talent. Il n'y a pas de talent, il y a juste l'ulti. Et donc, il n'y a pas de talent. Je sais pas si on a des talents débloqués de base comme ça. Pas de talent. Mais on n'en débloque pas sinon. Voilà. Et en gros, la fight, c'est 100 points. C'est 100 points et tuer un golem là, ça rapporte 10 points à notre équipe, et tuer un héros ça rapporte 4 points à notre équipe. Et on a une fontaine ici toutes les 45 secondes. Donc en gros c'est soit faire du fight, soit tuer les golems, c'est on s'en va les couilles, on est pas là pour tryharder. Voilà, donc mais bon, c'est hyper marrant, j'ai jamais vu les tous les Keltas, c'est super marrant. C'est incompréhensible. Hop, petit kill. Et oui, il a pas pris la monture, je l'ai pris et je suis allé dessus. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est très marrant dans ce jeu. Donc on a 22-12 là, on a un petit peu d'avance, mais là rien n'est gagné. En fait, ça peut vraiment se tourner. Parce que surtout avec que des Keltas. Ce qui est marrant, voilà ça. Donc il y a le boss qui peut nous chase et la fontaine toutes les 45 secondes. Donc ne pas l'oublier parce que c'est important. La petite stratégie, c'est qu'on peut attaquer les fontaines adverses. Donc en gros, on peut péter leur fontaine, du coup ils seront. Bah embêté, ils pourront pas avoir un régène de vie assez rapide. Oh je suis mort, oh je suis une grosse merde, oh je suis mort. Voilà. Donc ça c'est le nouveau mode de jeu. Je comprends rien la manière du Keltas là. La nouvelle boule de Keltas, comment ça? Mais putain il arrête de me chase là. Les amis, il a pas de régime. Comment ça une nouvelle boule? Bah je sais rien. Avec les boules là, je peux mitrailler la sphère. Bah, les boules dont je parle, c'est des.
Ah ouais, bah c'est toujours ça, j'avais changé ça. Si t'appuies sur D, ça fait. Alors quand tu puis sur tes lucioles et tu fais A, la zone va être plus grande. Quand tu fais ton Z, ça va un sort gratuit. Et ton E, ça va plus de portée. Non, mais en fait, ça a effectivement pas changé. Ça devait être parce qu'il y avait. Il devait y avoir une petite latence sur le balancement du pouvoir. Que du coup, c'était pas celui que je voulais. Ah ça, je sais qu'il y a les quelqu'un qui allait sortir ça. Voilà, là c'est un peu plus lent vu qu'on est tous en fait et à distance, du coup c'est on est. Putain, j'ai lancé mon outil comme grosse merde. Et je meurs par le boss. Ouais, j'ai eu, on était un petit peu devant et là. Là on commence à être vachement en arrière. Votre équipe est à mi-chemin. Je vais un peu baisser le son du jeu je pense parce que là c'est un peu fort pour vous. Là, ça l'est pour moi. Donc il regagne toute sa vie là. Je vais un petit peu baisser le son. Alors hop là c'est pas très intéressant pour vous. Je vais laisser tout. L'ennemi est proche de la victoire. Et surtout que en fait on est en train de perdre, donc je vais le faire juste après la prochaine game. Ah oui parce que c'est en BO c'est en BO3. Donc si eux ils gagnent, on a encore une chance de se rattraper. De se rattraper. Les marqueurs en haut. Ah, il meurt pas. Pendant ma mort, je vais baisser un peu le son du jeu. Ah, mais il est tellement en carton, Kael'thas. Mais me colle pas, sale mongol. Forcément, c'est un petit peu ceci. Je pense qu'il faut qu'on focus plus le truc là. Dans la mesure du possible, évidemment. Voilà. Hop, on va baisser un peu le son du jeu. 94, soit faut pas mourir, soit faut pas qu'il tue le nôtre de boss. Bon, c'est bon, ils ont gagné. Ils ont gagné. Bon. Voilà, ils ont un point. C'est pas grave. Et je vais peut-être remonter un peu le son de Discord parce que. Hop. Donc plutôt marrant, voilà. Donc là on passe sur une game normale. Je pense pas que je vais prendre Bourbi. Lily très. Alors il y a Uther est très bien. Lily aussi parce que avec son ulti c'est cool et surtout il y a deux assassins en face. Donc son aveuglement est très très utile en fait, surtout comme c'est que du fight. Donc très utile. Et Uther aussi. Et je pense que je vais prendre. Je vais prendre Uther parce qu'il a un stun et le stun c'est sont assez cool et il a des vulnérabilité, tu la mets sur vulnérabilité ou stun de zone. Le stun de zone est pas mal. Préparez-vous pour la raid. Bah ouais, faut voir si on arrive effectivement. C'est vrai que les gens sont pas mal stackés dans ce truc là, donc pourquoi pas. T'as la vulnérabilité, tout le monde est déstacké. Je crois pas que c'est hyper tout le monde est déstacké. Non mais je veux dire que enfin ce que je veux dire, c'est que tu ripop au bout de 12 secondes, t'as pas d'objectif vraiment à aller à défoncer une lane. Pour ça, je pense que je vais prendre Tempête Divine. Boum, ce silence! J'ai presque tué. Voilà, ce petit stun à 2-3 personnes à peu près, ça fait plaisir, toujours plaisir. Allez, là on a un petit peu d'avantage, on va essayer de le régène lui. Et moi je vais mourir, non c'est bon. C'est moi. Je sais. Bon ça j'ai dit lui. Hein. Bon, je vais prendre direct une fontaine de mana parce que 45 secondes, clairement, faut pas les... faut pas faire la... Faut pas agiter, le difficile, hein. Voilà, faut pas faire le difficile là-dessus. Hop, j'allais me prendre... Allez, 22-0. Oh, je suis con, j'aurais dû la soigner en fait. Et pas laisser de stun le gaz de. Bon, elle est pas morte, mais. Attention, des stacks, voilà, hop. Hop, peut-être tu veux des stacks, tu veux une heal. Ah, la merde. Ah, en dehors de la merde.
Voilà, donc là je vais le prendre directement, 45 secondes, moi j'ai mal timé. Hop. Non, t'es chaud, t'es chaud. Je te soigne. Non. Ah ça y est, ils ont enfin des points. Non. C'est ça le pute là. Oh, tu es là-haut. Plutôt nègre. Bon, j'ai de nouveau mon petit ulti là. Et mon ulti aussi. Oh, alors là, ils sont stackés. Ah, c'est bien. Oh, il y a deux. Ouais, il y a des ennemis. Là, si vous voulez aller dans le tas, alors j'ai plus de mal. Bah, je vais aller chercher. Hop. Le timing. Voilà, déjà, c'est hyper rapide la fontaine, faut vraiment pas hésiter. C'est effectivement vite, 45 secondes. Surtout dans ce que tu fight en fait, c'est. Elle est pas mal pour ça, Sylvanas, parce que comme ils sont tous stackés, mon E et mon Z, ça les touche souvent plus ou moins. Hop. C'est incroyable. Et moi, je vais mourir, non. Massacre. Allez, crêpe. Crêpe, sale pute. Bien. Hop, le petit lanzone, 47 Comment secondes. On les défonce. Oh. Ouais, là c'est mauvais, c'est mauvais pour moi. Sur c'est mauvais, je vais prendre la fontaine cette seconde. Non, j'ai back. Petite fontaine, l'autre. J'ai back parce que voilà, même si la fontaine là, le back c'est rend instant en fait toute la vie le mana. Donc des fois c'est pas mal de back, comme ça je peux. Je garde un peu ma fontaine. Et pour le prochain fight. Oh merde, oh là. On va aller tout se défoncer là. Voilà, c'était un coup de la merde. Et personne du coup mon ulti. Mais je pensais qu'ils allaient sauter, ils étaient sur le boss. Et je pensais en fait que comme t'es à t'y aller, ils avaient plus trop de vie. Je me suis dit, bon, suivant. Maintenant j'ai mon ulti, donc maintenant je vais pouvoir les défoncer. Je pensais qu'ils allaient suivre, mais pas du tout. Ils ont pas suivi. Putain, j'ai pas pu faire péter mon ulti à cause du truc qui m'a stun. La grosse puterie là. Putain nègre. Oh putain nègre. Oh yes. Sous sauvetage, Mathieu. Voilà, donc heureusement que j'ai bien fait garder ma fontaine. Donc ça, je vais prendre direct la fontaine là et retourner dans le tas. Moi aussi, je peux la prendre. Alors 72-52, alors on peut réussir à le faire là. Non, bah, on vise. Oh, c'est une balègue. Allez, non. Non, où vas-tu? Oh là là là, mais tu. What? Je l'ai eu. Easy. Play of the game. Bon, ah, c'est pas mal de mourir en fait que je meurs moi. Je peux vous heal vachement là. C'est pas mal. Bon, je suis mort, mais bon, j'ai donné 4 points, mais c'est pas grave. J'ai pu quand même régène pas mal. Donc 90, un héros tué là, voilà, là on peut faire un héros tué et le boss. Ou plein de héros. Ou plein de héros, voilà, c'est. Oups, on dégage tous de la. Très bel ulti. Ah, je l'ai pas eu. Sur ulti de la game. Merde. Oh my gosh. Non, y'a personne. J'ai plus de vie. 74-86, c'est de la merde. On se fait défoncer. Mais la gare, non, mais il va pas maintenant. J'arrive. Bon, oui, j'arrive à mettre un bon ulti. Ah là, la Kerrigan, ça fait. Non, j'étais pas là. Ah, c'est bien. Easy game. Voilà. Et voilà, c'est le GG. Bon, c'est pas le GG, on n'a pas gagné parce que maintenant c'est le BO3, la dernière manche, la game de fin. Victoire. Il faut qu'on la gagne. Bien combattu, vous. Voilà. Donc finalement, vous allez voir. Ça va assez vite. Bon, là on fait 3 games, du coup c'est un peu plus lent, mais je pense que ça va assez vite. Alors, Gul'dan, Draenor, Nova.
Alors Gul'dan est fort sur cette map. Ah, est-ce que Chromie, ça peut pas être ça? Chromie est très fort, parce qu'en fait, tu bourrines. Et comme t'es tout dans ta... Le dragon, il fait assez mal, vu que les gens, ils regardent bon, pas trop. Bon, l'autre a pris Chromie, donc je vais prendre Illidan, je pense. Attends, on a que des assassins. Ouais, que des assassins. Du coup, moi, je pense... Ah, il y a Samuro, c'est marrant. Moi, bon, il prend qui, le dernier, là? Nova. Moi, je pense que je vais prendre Nova. Non, je vais pas prendre double... Ah, c'est toi, tu prends Nova? Ouais, ouais, bon, bah, je vais prendre Illidan. Prends un peu de front lane. J'hésitais à reprendre, à prendre une deuxième Chromie. Parce que Gul'dan, je sais pas trop le jouer, alors que Nova, ça va. C'est vrai que Nova, je pense pas que ce soit non plus ouf dans ce game, parce que la visibilité, bah, ça sert pas à grand chose. Ouais, l'ulti, là, t'aurais dû prendre Gul'dan pour ses ultis. Ouais, l'ulti parce que tu mets le truc qui dégomme tout là. Mais non, justement, parce que c'est une canalisation, en fait. Je l'avais pris la première fois. Ouais, avec les médors, c'est une canalisation. Du coup, en fait, quand on te met un stun et ton ulti, il sert à rien. Il a duré une seconde et voilà. J'ai été très déçu en fait. Je pensais que si tu le mettais, c'était bon. Bon, on va prendre frappe, j'irai le mettre. Si je prends la traque ou si je prends notamment. Ah, là, faut la dégommer rapidement. Parce que ça fait quand même pas mal de dommages. Voilà. Oh, ils ont. Oh, c'est fait. Oh, ils ont deux. Ils nous explosent. Comment ça, ils vous explosent? Ils étaient tout seuls à défoncer. Ah non, ils explosent pas. Et ils vous ont explosé. Bah, y avait. Chromie, oui. Massacre. Oups. What? C'est moi vous dire que vous êtes des grosses de bouse. Oui. Non, mais je sais pas qui c'est qui le vrai là, c'est trop chiant. Ah. C'est lui. Celui qui a plus de vie là, ouais. Il est là en bas. Je l'ai vu. C'était le bait. C'est insupportable. Non, il est sur moi. Ta mère. Ah là là. Oh putain, je... Alors, ils ont une compo plutôt violente, je trouve là. Ils ont deux nouveaux héros. Un héros a quitté le combat. Et en fait, Chromie, du coup, est pas très fort, je pense. Je pense qu'il est pas très fort contre le guerrier là. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Samuro. Le Samuro. Parce que. Du coup, comme il peut se mettre à 3, bah, le son A est déjà arrêté par. Son invisibilité dure vachement longtemps, je trouve. Oh, on s'est explosé. J'ai pas vu 44. Vas-y, la balle. On a tué une personne, quoi. Putain, c'était faux, mais c'est. C'est horrible comme personnage. 44-4. Mais ça. Vous avez été tué. Pardon. Non, je connais pas du tout, mais ça a l'air pas mal, Samuro. Mais. Par contre, on en a un dans notre équipe aussi. Samuro. C'est ouf, tu. Je sais qu'ils ont que 50% seulement de la vie du mec. Mais bon, 50% quand tu sais pas qui c'est. Oui, mais du coup, tu peux te rendre compte. Oui, là, du coup, là c'est lui. Bah, là, c'est le seul qui a mis son ulti. Ouais. Il est touché. Non, mais il est pas mort, genre, il est pas mort. Mais c'est quoi cette. Il arrête de le chase. Mais de ce que c'est. Putain, l'invisibilité, elle dure tellement longtemps, c'est ouf. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Sur papier. Oh, j'aurais dû avoir mon ulti là. Ça, c'est. Putain, y'a trop de stun là. Qu'est-ce qui se passe? Batteur. Oh putain, je suis merde. Tu l'as eu là, les deux devraient mourir. Il fait quoi, Raynor? Bien, bien, bien. Je pense qu'en vrai, on est peut-être facilement. Bah, faut faire des. Faut faire le boss. Que ouais, tout le monde fasse le boss. Et puis après, on aura un boss full life contre eux. On va les défoncer. Et puis, il y aura plus de quelques... Ah, voilà, et là on les défonce. Allez le boss, voilà. Yes, j'ai focus le bon. Ah là oui. Ah, oui. Voilà, tu vois, c'est ça, là on a tellement vite là le boss. Nice. Votre équipe. Fais gaffe, il y a Valor. Oui, c'est. Enfin, en vrai, tu peux la dégommer, mais va pas la. Non, je vais pas la chaser, elle allait prendre sa fontaine là. Ouais, fais le. Faut refaire pareil, faut essayer de le dégommer rapidement. Mais vas-y, il fait quoi, Raynor? Vas-y, ping Raynor là. Oh, tiens, ils sont là. Ouais, je...
Putain, bâtard, il est sur moi, il est sur moi. Mais il est invisible jusqu'à ce qu'il attaque en fait. J'ai l'impression. Ouais, il y a moyen. Ok, c'est lui. Non, il est là, le vrai. Il est là, c'est lui. Là. Ok. 88-56. Dis le butcher, le butcher. Ça va être chaud. Butcher. Non, non. Il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen. Oh putain. 60-88, ça va être chaud. Hein. Vas-y, faut faire tomber le truc là. Ce truc. Ah putain, j'ai pas la. Ah, j'ai mal joué. J'ai plus de mana, j'ai plus rien. Voilà. Là, on se met bien. On se met bien. Faut aller avec. 92. Ah, faut pas mourir là, les gens. Faut pas mourir. Ah, Lorena va mourir. Mais pourquoi il a les 6 deep? Non, non, bah c'est fini. Un héros qui meurt et c'est fini. Un seul. Ouais, ok. C'est effectivement un peu chaud. Ou le boss. Non, je veux pas être celui qui mourra. Non, non, non. Ah! Et voilà, on va pouvoir voir. Gaz, je vais mourir. Bon. Oh. Voilà, super. Dommage, dommage. Moi, je vais baiser ma voisine. Allez, salut YouTube. Soumi. Soumi va. Bon. Et bien voilà. Le nouveau mode de jeu. Donc, vraiment agréable. Franchement, ça change beaucoup. C'est hyper dynamique. Alors, en fait, c'est en prend. On prend notre cerveau, on le met à côté, tu vois, on le sort de notre tête, on le met à côté et on joue quoi. C'est vraiment, il y a aucune réflexion, c'est enfin la seule réflexion c'est faut voir quand attaquer les ennemis et quand attaquer le boss. Mais voilà, ça demande pas trop de réflexion, donc c'est pour ça c'est beaucoup de fun. Je vous invite à tester vous-même le mode de jeu. Et pendant qu'il est encore là, je pense qu'il restera peut-être. Enfin, vu que Blizzard là, mais un petit. Enfin, genre, si tu fais 3 parties, t'as des récompenses, un portrait et du gold. Ils font ça surtout pour comme ça, toutes les personnes essaient le mode de jeu. Et ils voient un petit peu. Enfin, Blizzard voit un petit peu les. Les retours en fait, le feedback des joueurs. Mais voilà, ce genre de petit événement, c'est cool. Donc, ils font déjà ça avec Overwatch, avec les. Avec Overwatch, avec Hearthstone, avec les duels, enfin les bras de fer, et les petits événements comme ça sur HOTS, si les chocs d'héros, s'ils en font plusieurs, ça pourrait être sympathique. Voilà, voilà. Donc, c'était tout pour la vidéo, cette petite vidéo de présentation. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez, des pouces bleus surtout. Voilà, là. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao YouTube!